Hey, salut à tous, c'est Skyros, comment ça va? Bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et un live sur Black Ops 2, bien long, bien gros comme on les aime, et en compagnie de Saxy, salut à toi! Bonjour! Au début, je savais pas de quoi tu parlais, mais après j'ai compris. Effectivement, je vous l'avais dit, et c'est vrai que ça fait un petit moment que ça m'est demandé de faire un live, enfin une vidéo longue sur Black Ops 2, on va dire à l'ancienne, comme on faisait à l'époque, et comme on fait plus vraiment maintenant, mais voilà, petit retour old school. Alors, nous avons Hijacked. Petite alors, question, attends, c'est quand même oui, important. Ton chien il pue toujours autant la marque quand il pète? Oui. D'accord, non, mais je veux savoir si ça allait mieux ou pas. Ouais, c'est un petit peu embarrassant comme question. Mais ah ouais, ouais, je voulais le savoir étant donné que je me suis fait réveiller un beau matin un jour pour une odeur. Je vois le chien, genre j'étais allongé dans le canapé, je dormais. Je vois une tête trop mignonne, j'étais là, oh bah alors et tout. D'un coup, j'entends un gros P, j'ai fait non, l'odeur. Non. Et ouais. Maintenant, je comprends mieux pourquoi avant tu te plaignais l'odeur de ton cul. Ouais. Bah écoute, c'est vrai que bah en fait, c'est pas trop dérangeant dans la journée. Tu vois, dans la journée, t'es là, bon, il fait ses petits proutes longueur de journée, ça va encore. Mais il y a des fois, t'es dans le lit, comme ça, tu veux faire la sieste ou tu commences à t'endormir et d'un coup, parce qu'il aime bien dormir juste à côté de toi. Oui, j'ai vu. Et d'un coup, t'as une odeur comme ça qui te réveille. Ah oui, non c'est... mais c'est saisissant. Ouais, mais je l'ai encore dans mes naseaux là. T'inquiète pas. Elle est présente. Il a laissé son odeur. Alors c'est ça, soit ça, soit sinon il s'assoit devant toi et puis il te souffle en pleine bouche quoi. Mm. Ça également c'est quand même assez plaisant dès le matin. Ouh putain, y en a un là. Y en a un au-dessus je crois. Ah y en a deux au-dessus je crois même. Deux au-dessus. Oh y a des bêtises et tout pour pas qu'on y aille. Oh là là. Oh les petits coquins. Putain et c'est pareil sur MWR l'autre fois j'ai vu les mecs ils étaient là. Oh là là. Ils étaient en mode bien campés, des petites clés mortes dans tous les sens. Ah, il y a de la crapule. Ouais, mais il y en a certains, ils sont vraiment bons. Ouh. Pour ça. Hein. Ah oui, non, mais je dis pas. Il y a des professionnels. Ah non, mais ils sont très forts. Il y a des professionnels. Je pense que t'es un peu jaloux. Hein. Voilà, et je me fais toucher depuis tout à l'heure. J'ai réussi à survivre, je ne sais pas comment. Ah, putain, en tout cas, moi, la cour est bonne. Très bonne, même. Eh ben, écoute. La chance. Tu m'en vois ravi. Bah ouais, pour une fois qu'on a de la chance. Oui. Alors, est-ce que je peux pas débloquer un drone bientôt? Oui. J'ai ramassé une petite AN-94 par terre, mon pote. Mmh. Petit moment souvenir pour toutes les personnes qui jouaient avec cette arme-là. Je sais que c'était vraiment une arme que les gens adoraient. Elle sur Black bien, Ops 2. Elle est la MSMC, un truc comme ça, là? MSMC, bon, il y avait pas mal d'armes qui étaient quand même plutôt bueno. Hein. Voilà. Mine de je rien. Fais quelques petits kills comme ça, histoire de débloquer. Oh, merde, désolé. Non, bah, c'est pas grave, j'ai loupé la balle, de toute façon. Hein. J'ai loupé la balle. Oh, ça commence bien ce petit retour. Ah non, en mais live. Je le sens bien moi aussi là. Ouais. Et comme je dis, ça fait longtemps, tu vois, qu'on n'a pas fait un petit live comme ça, raconter nos petites conneries, nos petites blagues. Et c'est vrai que ça a manqué un petit peu, tu vois, cette, bah, cette ouais, histoire. C'est, qu'on pouvait, aussi, c'est vrai qu'on m'a beaucoup. Tu sais qu'on me réclame, on me dit beaucoup maintenant que je fais des lives, on me dit souvent, c'est l'histoire d'un mec. Ah, et, c'est l'histoire d'un mec. Et ça, c'est un secret que les gens. Oui. Ils en raffoleraient. Hein. C'est. On en a dit des celle-là, elle est interdite d'être racontée, cette histoire là, mec. Elle sera jamais racontée. Hein. Ah non, il y a encore des gens hein, qui y pensent. Hein. Et qui disent, ah, mais non, ça peut passer. Non, non, les gars, on peut pas raconter. Non, non, l'histoire d'un mec, ça passera jamais. Ça. Bon, pour ceux qui ont vu la vidéo, savent de quoi on parle. Mais ceux qui n'ont pas vu, savent pas. Mais bon, il n'y a pas eu non plus tant de personnes qui ont vu le truc, je pense. Mais... Oh, je sais plus. Et qu'est-ce qu'il fout, ce gros connard, là, à foncer dans leur spawn? Quoi, il y en a qui niquent les spawns, là? Bah, y a un mec, il a foncé dedans alors qu'il était bien. Ouais, ça a tourné, tu penses. Allez, moi aussi j'ai pris la haine. Ah, ils ont détruit ma tourelle. Merde, dommage. Aïe. Il y a. Ça me rappelait pas mal de choses, c'est vrai, quand on a dit qu'on allait faire ce petit live sur Black Ops 2, un petit peu à l'ancienne, comme j'ai dit. Ça me rappelait des histoires qu'on se racontait à l'époque quand on faisait des lives comme ça. Je me souvenais juste une petite histoire que j'avais racontée qui avait un petit peu niqué l'ambiance, je me souviens. L'histoire du japonais qui éjaculait sur les passants. Ah putain. Oui. Ah, elle était énorme, ah, celle-là. C'est... Ah putain, oui, je me rappelle. Ah, comment l'oublier, celui-là? Comment l'oublier? Est-ce que t'as pris des nouvelles ou quoi du mec là? Non, pas de nouvelles. Pas de nouvelles du mec. Il a toujours pas sorti de l'asile? Non. Non. Ah, oh, bon. Bah, ils l'ont enfermé, je crois. Oh, remarque. Bah, j'espère pour les passants. T'imagines? Ah, je me suis fait chier dessus par une mouette. Tu regardes de plus près, tu fais ah, bizarre la mouette. Bon, c'était sympa à Tokyo, mais. Ah non, c'était un chinois. Non, c'était ça? C'était un japonais, je crois. Ouais, mais voilà. Je suis allé à Tokyo, c'est sympa, mais bon, se faire éjaculer dessus dans le quartier ouest, c'est pas terrible quoi.
Ah putain, j'imagine un infomane qui se balade dans la rue, la bouche Ah mais putain! là C'est Oh, c'est dégueulasse. dégueulasse, c'est Oui, dégueulasse. c'est immonde. Ah, il fallait le dire, il fallait le dire. Ouais. Alors. Alors, merde. Saxi, tu as un petit objectif cette année. Ouais. Alors, Raconte-nous. comme j'ai. Alors, je sais plus si je l'ai dit. Non, vu qu'on n'a pas fait du station depuis. Alors, t'as un petit peu de mal. Calme-toi. Ouais, non, mais non, mais. Je ne savais Calme-toi. pas. Je ne savais Prends ta pas. respiration. Je. Non, mais en fait, je me rappelle, je l'avais dit. Alors, je crois que c'était dans une de mes vidéos, du coup. Mais en gros, que cette année, l'objectif, c'était. Vu que toi, t'as mis la triple headshot et la quad headshot. Ou au moins un des deux, quand même. Mais même si la quad headshot serait le bâton pour t'humilier, au final. Bah, alors. Toi, tu vois peut-être ça comme une humiliation. Ah non, direct, allez, vas-y, sors ton grand jeu, moi je serais content pour toi. T'es le frérot. Vas-y, dis-le. Exactement, alors, et c'est exactement ça. Tu vois, tu me connais bien. Ben oui, ben oui. Moi, tu sors une quad headshot, mon pote. Je suis content pour toi, tu es le frérot. Sauf que moi, je le vois pas comme ça. Surtout pas en live à deux reprises. Putain, je t'ai niqué ta gueule, tiens, je te shit dedans. Voilà, c'est un peu comme Vegeta et Sangoku quand Vegeta se fait. Réanimé qu'à la fin il pète un plomb, il fait c'est bon j'en ai marre, ça m'a pété les couilles. Et en fait il voit ça comme une humiliation, tu vois. Alors il faut savoir que je pense qu'on va avoir beaucoup de références à Dragon Ball Z durant ce live, parce que Saxi est quand même un petit peu dedans. Voilà, bon, un 20 ans de retard, Saxi découvre Dragon Ball Z. Non, mais non, j'avais déjà fait. Je sais, ah, je rigole, bon. T'as l'air merci, pas gamin, merci. Mais ma copine, bon, oh, elle était tu m'as niqué ma triple de Fitkill Cap, ils étaient que 4 en face. Bon, première partie qui se passe bien. Oui, regarde. Il n'y a que nous. Enfin, non, il y en a un troisième quand même. Match ouais, Gen. T'as oublié Match Gen, Match Oui, Dog. Mais c'est ce que je dis, on est trois. On est trois. Alors, effectivement, qu'est-ce que je disais, je sais pas. Tu parlais de tes problèmes d'érection, oui. Oui, alors, ça va le mieux. Le cachet. C'est quoi le ça cachet? Ça va mieux, puisque. Hein, pardon. On veut savoir le nom du cachet, nous. Du cachet. Bah, pour les problèmes d'érection, pour que ça se calme. Ah Pff, oh, le mec Oh, il y est pas Oh, il est pas là Il n'a pas suivi la conversation. Ah, mon cerveau a gelé, j'ai eu un moment d'absence. Ah oui, il a gelé. Donc, oui. Alors, je pense qu'on a sauté un petit peu du coq à l'agneau très rapidement. On a changé de sujet très rapidement. Donc, moi je te dis, si tu mets une quad headshot, je te dis félicitations, je suis content pour toi. Ah oui, non, mais merde, ça je le savais. Hein. Dessus en disant ça. Je le savais de toute façon. Mais bon. Donc, je te dis, alors, je bon le vois courage, comme ça. Parce que des quad headshots dans l'histoire, il n'y en a pas beaucoup qui ont été mises. Ah oui. Overflow en garde terrestre aurait été une bonne option à l'époque. Tu te rappelles? Oui, effectivement. Regarde, il suffit que ça soit moitié sniper lobby, moitié random lobby, que ça serait parfait. C'est exactement en, ça. En guerre terrestre. De toute façon, on l'a toujours mais dit. Je préfère quand même faire une petite revanche sur Hijacked. Oui. Ça oui, s'était oui. bien passé. Alors, dans l'idéal, c'est vrai, quand on fait une petite session sur Black Ops 2 comme ça, on espère toujours tomber sur une série de maps positives, c'est-à-dire Hijacked. Après, si on se faisait un petit raid. Puis après, on peut se faire un petit stand-off. Pourquoi et puis pas. Après, à la limite, un Slums. Petit Nukton. Un petit Slums après. Après. Pourrait... Pardon? Slums après, non? Après Nukton, Slums? J'allais le dire en plus. Franchement, j'allais dire Slums. Ça devient inquiétant. Slums, c'est ça la map oubliée, tu sais. C'est la map. Quand on pense aux bonnes maps, on pense à Jack, Thread, etc. Mais on pense pas tout le temps à Slums. Mais Slums, c'est une bonne map. Ouais, elle est très bien. Enfin, après, tout dépend aussi les lobbies. Hein. Tu peux tomber des lobbies sur Red, bidon, mais bon. Ouais, je suis tombé l'autre fois. Hein. J'avais triste, fait une tentative hein. de live sur Black Ops 2. Je dis tentative parce que la vidéo. oui, non, mais j'imagine. Et je suis tombé sur des lobbies. Mais bah tu sais genre le genre de lobby que ouais il sert à rien quoi. Non, le lobby tu dis non. Bon tu dis non tu, j'ai voulu, j'ai essayé, j'ai donné sa chance, j'ai insisté, j'ai été sympa mais non ça n'a pas marché. Alors je crois qu'il y a un mec qui était là-haut. Je vais quand même aller vérifier. Ils sont là. Il est mouru. Ça merde. Ça a tourné. Alors ça sent tourner, le détecteur de cible. Oh putain. Ah ça manquait pas ça. Ah petite ouais sulfate en diamant s'il te plaît. Diamant. Oh là là. Alors, il doit quand être le mec il fort. A sulfate en diamant détecteur de cible, tu te dis combien de mecs à qui il a cassé les couilles littéralement sur les accueils de Black Ops 2. Combien de personnes ont coulé à cause de ça? Combien? À combien de personnes ont ragé, crié, pleuré, appelé leur mère sans hâte et sans relâche. Maman, viens m'aider. Et oui, du coup, après les parents, ils ont investi dans du matos mec, parce que mec. Les parents. Ah, je l'ai tué. Parce que du coup, le gamin il a tout cassé à cause de ce genre de mec. Du coup, les parents rachètent des trucs. Ouais, ah, oui, bien sûr. Moi, je pense qu'il faut les exterminer. Ah, bah, il faut. Je voulais signer une pétition l'autre fois. Il faut les exterminer. Exterminer les batteuses détecteurs.
Non, c'est quoi, détecteur de cible? C'est comment ça s'appelle? Bah c'est batteuse et détecteur, c'est... Ouais, voilà, c'est ça, ouais. Oh, le mec il m'a acheté son C4, l'enculé. Ça va, elle est bien la Peacekeeper, c'est bien. Aïe aïe aïe, y'avait du monde à droite, y'a du monde à droite, ils sont 3 à droite. Vas-y Saxi, ils sont à toi, ouais, ils sont à toi, je te le vois, bah, il y en avait qu'un qui s'est montré quoi. Tiens, à toi avec ta petite sulfate. Ah, un couteau balistique, tiens, allez, je vais essayer. Ah, ça va être le mien, ah, ça. Ah, bah je suis mort, ouais. Bah, tu sais pas utiliser mon couteau balistique. Ah, je sais pas y jouer moi. Toi, c'est vrai que t'as toujours un peu manié le truc quand même, hein. Bah, c'est que j'essaye. Bah, alors là, j'ai ramassé justement la soi-disant sulfate détecteur de cible en diamant. Et... je peux mettre une couette feed avec, hein. Oh, mon dieu. La quad feed, ah, je me suis fait buter par le mec. Oh merde. Ah mais mec il était resté en train de viser, il a quand même plus d'expérience que moi. La quad feed détecteur de cible sulfate, la quad feed bah, inutilisable au monde. Ouais, ça ferait un peu un malaise quoi dans le montage en mode qu'est-ce que c'est que ça. À la limite quand Black Ops 2 venait de sortir. Ouais ouais ouais. À la limite. Mais non, parce que finalement ce que c'est, le détecteur de cible on l'a uniquement sur Black Ops 2 si je me trompe pas. Ça me dit rien sur notre Call of, ouais. Je parce qu'avant, que... l'accessoire du noob avant sur Call of Duty, c'était le capteur cardiaque. Ouais, voilà, ouais, on avait ça sur MW2, ouais. C'est vraiment le seul truc. MW3 aussi, attends, MW3. Ah oui, MW3, bon, MW3, ouais, j'ai pas. Oh putain, y'a du monde à droite! Oh putain, moi je suis à l'opposé du spawn, quoi. Mais qu'est-ce que tu branles, Jean-Pierre? Mais moi j'attendais le contre-back, je sais pas moi. Allez, ils sont à toi. À droite, y'en a un. Je suis à droite, il n'y a personne. Tu as d'autres mensonges comme ça ou... Je t'ai dit qu'il y en avait qu'un, il a peut-être. Il a... Ah, à gauche, il y en a deux. Et attends, je passe au mid. Voilà, hop, je ramasse la petite mitraillette. D'accord, alors, le mec, alors je lui ai vidé la moitié du chargeur. Que nenni, il a pas voulu mourir. Il a loupé sa grenade, lui. Oh la vache, mais putain, mais oh j'ai, non, du mal à... XP. J'ai du mal à... Eh mais c'est pas possible, c'est la... j'ai pris la vecteur par terre. Mais qu'est-ce qui t'arrive, papy? Calme-toi, prends ton médicament, dis-moi, pose-toi, assis-toi. J'ai pris la vecteur par terre, mais malheureusement, j'ai mis de la balle dans le gus, hein, mais... Mais tu as fini, panda. Ah, mais il campe de ouf, en plus, le sniper qui reste. Et le mec, il est au XPR, oh là là. Ah, il bourrine, hein, c'est lui, là. Il a la classe par défaut, je pense, hein. L'autre, il reste dans sa piscine avec le détecteur, là. Ah ouais, non mais... Et tu vois, sur Hijack, il y a moyen de faire mieux, normalement. Mais là, ah là oui, sur oui, celle-ci, oui. Les mecs, ils ont vraiment la technique de merde. Hein. Oh là là, les cons. Mais bon, je vais leur mettre une triple, quand même. Sur les mecs. Laisse-moi faire. Je sais pas comment tu pourrais mettre à une triple à des mecs qui sont jamais ensemble. Hein. Je m'en charge. Tu t'en charges? Je m'en charge, mec. Tu mets la quad headshot sur cette partie ou pas? Attends, mais regarde. Tiens. Oh, non, mais mec. Oh, merde. Mais quel con. J'étais trop chaud. Oh, go. J'ai sorti le couteau balistique. Vite, je vais me faire tuer. Ah, ils sont plus là. Ils ont changé de spawn. Oh merde, la colla tête shot. Et putain, t'imagines, il y a un petit troisième derrière. Oh putain, oui. Ça aurait fait bien là. Ah bah, ça aurait été bon, bien. En tout cas, ça commence bien, c'est cool, ça va. Bon, les mecs, ils sont relous, mais ça, ils sont pas très forts non plus, quoi. Hein. Non. Ils sont pas casse-couilles. Ils sont plus casse-couilles que forts, quoi. Ouais, voilà. Bon, après, je dis ça, mais bon, je fais pas non plus de game. Ah, bâtard. Il a sorti l'arme secondaire, petite merde. Oh ah non. Merci, oh la killcam. Regarde le monde qu'il y avait. Ouh, la killcam. Ça t'excite ça? Pardon. Bah complètement, alors là je... On voit pas sur la caméra mais je mouille un peu des tétons. Donc... Oh. Oh putain oui. Eh, hey, il y a du monde. Oh, et c'est pas un headshot en plus. Tu te demandes comment? Black Ops 2 ça a toujours été le mystère de ça quoi. Comme MW3. Comme les triples aussi hein. Les triples, sont pas alignés du tout. Ouais, hein. Des fois les triples ça passe, c'est pas aligné quoi, tu vois, ok. Mais je me souviens, j'avais fait un live comme ça long sur. Putain, par contre, il y a deux écrans. On va se la faire. Ok. on va se la tenter. Je me souviens, j'avais fait une vidéo assez longue sur Black Ops 2 il y a un moment. Et ouais. Justement, j'étais tombé, je crois, 5 ou 6 fois d'affilée sur Hijack, j'en pouvais plus. Ah bah oui, après, trop c'est trop, hein. C'était un petit peu comme à l'époque de Black Ops 3 au début où tu te mets que sur combine. Combine. Oh, c'était. Et puis même sur Black Ops 2, c'était l'époque raid. On tombait que sur raid. Moi je me rappelle, début de BO2, c'était que raid, j'en ai plein mon cul. Mais c'était guerre après. Ouais, c'était en guerre terrestre, on tombait souvent sur raid. Yes. Mais je pense que raid c'est vraiment la map que à la limite ça me dérange pas de faire plusieurs fois d'affilée. Bah oui. Tu vois. Elle est trop trop bien. On a hâte de tomber dessus d'ailleurs. Mon beau bateau! Oh bâtard, tu l'as chanté avant moi! Eh oui, mec. Non! J'annonce la couleur. Il va mettre le clip, voilà. La musique qui fait mettre des clips. Alors si, et franchement si tu mets une triple headshot c'est grâce à moi. J'ai déjà mis une triple en plus aujourd'hui là, ce serait cool. Ah le mec, il est obligé de raconter ses histoires devant tout le monde. Bah attends,
Eh oh! Je me vends? Oh! Ah, par contre, Beneta, mon pote, SVU. Par contre, Mako, moi, c'est pas ouf. Ah ouais, ah, c'est vrai que tout à l'heure, la co était bien. Putain, par contre, il y a du monde à droite là. Ouais. Vas-y. Allez, allez, plus de monde, plus de monde, plus de monde, plus de monde, plus de monde. Plus vite la prochaine fois. Ah, j'ai foncé dans le spawn, mais le temps que j'y arrive, j'étais un peu loin. Je pense que ça va ravir un petit peu. J'ai eu un peu de mal sur mon mot. Là. Rarriver. Oh merde. Merci, Saxi, de me voler mes kills. Oh d'accord. Allez, il y a du monde encore. Ah non, mais je suis mort. Je fais pas long feu. Putain, mais tu pourrais prévenir que tu mourrais. Ah, il m'a acheté une Septex. Une Septex. Je pense que cet accueil là est un peu plus virulent que tout à l'heure. Mais la manière dont il se déplace, je pense qu'il y aurait moyen de faire un truc. Oh pff, je suis broc à chaque kill quoi. Fantastique, merci. Bon, t'as fini d'être broc à chaque kill aussi? Bah ouais. Eh, décidément, le mec il fait que venir sur la droite, attends. Eh, alors, il a enfin réussi à me tuer, le Farico de mes couilles là. Le Farico de mes couilles. T'as rappelé à l'époque Farico que tout le monde s'appelait Farico? Oh là là. Un mec sur deux sur le jeu c'était un Farico. Laisse. Ah merde. Bah t'es mort en plus hein. Ah bah tu me déçois. Par contre Jazz, tu vas fermer ta gueule avec ton micro. C'est toi qui me déçois, tu fais un score de merde. Mais ça, je fais un score de merde. Ah oui, c'est vrai que je fais un score de merde. Voilà, réveille-toi maintenant. Arrête de critiquer. C'est pas bien, c'est pas beau. Oh ouais, ok, ok, ça marche. J'ai l'impression que ça a fait le tour sur Ils sont où là? Voilà, petite headshot. Là, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Mais il y en a de ton côté là. Non, eh mais ils sont partout les mecs, ils sont partout hein. Ah. Ah bah chier. Non mais oh, surveille ton langage. Ah pardon, pardon, non désolé, vraiment j'avais oublié qu'on était en vidéo, j'ai dit le mot, non non vraiment désolé. Excuse-moi mec. Non mais là t'es sur ma chaîne, hein, t'es pas sur ta chaîne, c'est pas une poubelle ici. Quelle grosse merde. Oh le gars. Le gros bâtard. Putain, tu dis ça alors que t'as une vidéo FIFA 12 avec nous qui pue la bite. Oh et allez. C'est vrai qu'elle pue la merde la FIFA, la vidéo FIFA. Bah non, non, honnêtement, elle pue pas la merde. Et le Farico il commence à me péter les couilles, il passe son temps à faire le tour. C'est mec, pas qu'elle pue la merde, quoi. Mais c'est qu'elle est... Laisse. Allez, allez. Ah non, t'es proc. Merde. Bon. J'attends, viens là, viens à gauche, viens à gauche. Merde, oh là là, le mec j'ai tiré complètement. Oh là là, j'ai tiré trop loin de lui. Oh là là, j'ai fait de la merde, j'ai fait de la merde, je m'excuse. Mes excuses, mes excuses. Tu vois, ça c'est le karma. Tu m'as insulté et du coup, voilà ce qui se passe. Ouais, je t'ai pas insulté, ça va. J'ai dit t'as traité ma chaise de poubelle. Ma chaise. T'as traité ma chaise de poubelle. Et ma chaise, elle est très bien, ma chaise. Hein, elle est un peu molletonnée. Mon Dieu. Bon, à force de péter, c'est vrai qu'elle commence un peu à verdir. Ah, tellement immonde. Putain, ouais, le lobby est. Je veux dire, c'est un lobby où il y aurait moyen, mais c'est un lobby fatigant, quoi. Oui. Les mecs, ils passent leur temps à faire le tour. Dans le milieu là. Oh putain, ah ouais, ils sont là, les SVU là. Les mecs fatigants, ils passent tout le temps sur le côté, sur ah le. Ouais. Non, c'est fatigant, c'est fatigant. J'ai le prouvé qu'on peut mettre un clip moi. Oh. Oh non. Go 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 go, spawn 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 spawn. Ils sont pas là les bâtards. Putain, ils sont pas de mon côté non plus. Pour la 50 screen. Le côté gauche, il y en a deux. Mais je pense que ça va tourner là. J'espère pas. Si, je pense que oui aussi. Ouais. Il y en a un en haut. Ouais, ils sont à droite. À droite. Bon, mais c'est quand même un lobby où il y a quand même du mouvement, on va dire. Vaut mieux ça qu'une game. Dès que je prends la mitraillette sur Black Ops 2, j'ai du mal. Hein. Je sais pas pourquoi, il y a vraiment que le snipe que. Alors, par contre, il y a un mec qui tire sur une insertion tactique alliée. Merci à l'intelligent. Merci à l'ordinateur. On dit merci l'ordinateur pour l'avoir mis dans notre équipe quoi. Allez, merci. Fais le tour Farico, fais le tour. Ah mais merde. Tiens Farico de mes couilles. Suce mes boules. Pardon. Oh le gila kill game headshot. Bravo 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 bravo. Allez pour toi celle-là. Ouais, et en plus j'ai fait un trick shot. Mais je pense que ça va pas se voir là, quelqu'un va bugger je pense. Ouais. Ah oui effectivement ça bug. Ouais ça bug. Parce que tu vois en fait là j'ai sauté du bateau. Ok. J'ai fait 50 tours et j'ai tiré en oscope. Mais pourquoi? Ça t'as l'impression que j'ai visé. Alors ouais. Là, ouais, je crois que c'est ça étrange. Bug. T'es sûr de ce que t'as fait ou pas? Ouais. Okay. Je suis sûr. Je regarderai la vidéo alors. Ouais, non. Bah, je crois qu'en vidéo ça va bugger aussi. Bon, par contre. Bah, Slums! Ouais, ah, non, ouais, tu veux quitter, d'accord. Jack. Oui. Ils allaient voter à Jack. Le mec il était dans l'accueil tout seul. Ouais, avec il était. Son emblème des mignons. Il attendait. Tu sens vraiment l'emblème, le mec il a pas plus de 8 ans quoi, c'est pas possible, tu peux pas avoir plus de 8 ans et faire un emblème comme ça. Alors je suis désolé s'il y a des mecs qui
Là, Skyros, espèce d'enculé, va te faire foutre, sale bâtard. J'ai un emblème comme ça et j'ai 9 ans et demi. Bientôt 10. Hein? Oh le mec. Bon, Saxy, raconte-nous une histoire. J'ai pas d'histoire sous la main. Bah, sous le pied peut-être. Pardon. Oh mon dieu. Oh la lourdeur. Ah, ça me manquait ces petits lives avec le, en fait ce genre de petites vidéos, en fait ça dure longtemps, ça devient, il y a une petite pression qui s'installe, il y a un petit mal-être, un malaise. Ah oui, mais oui, il y a pas ça. Beaucoup d'ennemis, etc. Et c'est le moment où tu finis par craquer et dire de la merde. Bah oui, non mais c'est toujours comme ça. Et encore heureusement qu'il y a pas Minou. Ah je oui, et par contre il y a trois ennemis mais ils se font discrets. Hein. Je recherche les ennemis, merci. Voilà, j'en ai vu un. Hein. Merci d'avoir crié dans le micro et de m'avoir saturé les oreilles. J'ai pas crié, j'ai fait une annonce au micro. Ouais, d'accord. Comme on fait. Intermarché ou quoi? Exactement. J'allais dire Intermarché, tu vois. T'allais dire Intermarché. Ouais, j'allais dire Intermarché. Hein. J'ai la référence Inter. Bah c'est parce que Inter, c'est eux qui ont les plus mauvais micros. Hein, ah j'ai vu un reportage, sur Inutile Magazine. Oui. Ah, Inutile Magazine. Oui, c'est bon, oui, je vois. Ouais. Bah celui auquel t'es abonné. Je l'ai lu chez toi d'ailleurs quand j'étais parti chez toi. Je pense à un autre magazine. Ah, Zoophile, ouais. Non, ah mon dieu. T'es mais non. À eux d'ailleurs en plus. Non, en plus c'était chez un collègue à toi, hein. Un magazine, un collègue à toi. Ah oui, c'est vrai. J'ai des photos d'ailleurs en plus que t'étais en train de le zioter. C'est alors, ça. Mais aussi j'ai une photo. Je vais expliquer un petit peu l'histoire. Vas-y, voilà, racontons cette histoire. Voilà. Parce qu'il y a pas beaucoup d'ennemis donc on va raconter des histoires. Ça rejoint là. Vas-y, ça rejoint ? Ouais, ça rejoint. Alors, j'ai ramassé quand même une petite sulfate détecteur de cible. Hein. Écoute, on sait jamais. Alors, mets on était chez un ami à moi. Et d'un coup, je vois. Il y avait Saxy. Bon, on joue à la console. Hein, tu sais, partout où on va, s'il y a une console, on est obligé de l'allumer et jouer. Ah, normal. Et je sens que tu vas déformer les propos, mais continue. Et là, je vois Saxy qui sort des toilettes. Avec un magazine. Ah mon dieu. Et moi justement je voulais aller aux toilettes aussi. Donc je dis bah tiens vas-y jette moi ton magazine. Comme ça je vais voir un petit peu histoire de, tu sais, patienter pendant que t'es en train de faire ton cake. Forcément tu magasines un peu. Et là qu'est-ce que je vois, qu'est-ce que c'est pas le magazine? Un magazine de cul avec des femmes à poil et tout ça. Et la page 27 collée. Et la page 27 collée fraîchement, hein. Tu sentais que ça glissait un peu encore entre elles, tu sais. Et sinon pour la vraie histoire, c'est que bah, on a vu le magazine comme ça dans la soirée en fait. Genre sur la table, en mode what? Ouais, voilà. En gros, tu vas chez un mec, tu regardes sur la table, t'as un magazine de cul. Ouais, et t'avais c'était... aussi des caddies quand même, hein. Mais bon, après ça, c'est un détail. Ouais, non, mais ce mec, il est anecdotique. Ouais, il était. Il est. Bah, après, si c'était pote, hein, je te juge pas, moi. Hein. Non, c'est le mec. Oui, enfin bon, je voudrais pas avoir la gueule de tous tes potes, mais je suis sûr qu'ils ont pas tous la gueule de l'emploi, non? Oh, si. Ah, je me suis fait coller une Semtex, man. Ah. Ils sont combien en face? Ils sont 6. Ah, bah voilà. Ah, oui. Et là, je peux faire ma fameuse blague. Ils sont 6 de Strasbourg. Qu'est-ce qui t'arrive? C'est la trentaine qui t'a rendu comme ça? Ils sont 6 de mortaux, peut-être. Je crois que la trentaine, t'as vraiment. Ouais, elle est là. Ça attaque, la trentaine, ça attaque, mon mec. Mec, elle est en train de te choper partout, là. Non, c'est qu'en fait, quand tu dépasses les 30 ans. Ouais. Tu n'as plus du tout honte. Ouais, non, mais oui, je vois ça. C'est la honte n'existe plus, tu t'en fous. Le mec, tout à l'heure, je l'appelle, il était en peignoir, moitié à Wolf. J'ai fait, bah alors, habille-toi, tu sais. Ouais. Tu as attrapé froid comme ça. Et moi, j'ai mélangé les propos, j'ai compris, habille-toi. Non. Oula, il y a un mec qui pète un plomb là. Ouais, j'entends pas. J'entendais un chien couiner, non? Ouais, voilà, un petit enfant qui était. Ah, motherfucker! Ah, d'accord. Genre un peu à la Cartman. Ah, oui, j'ai compris, ça y est. What the fuck, man? What the fuck? Petite voix là. Allez, viens là. Putain, il est timide, le type, il est timide. Bon, ici, on va mettre un clip. Hein. Bah, j'espère bien là, déjà, j'ai fait une Nicolas Tittmarker là. Derrière toi. Ouh, Nicolas Tittmarker? Oui. Mec, alors... voilà, fail of the week. Hein. Je suis sûr passe première place. Hein. Allez, go, enchaîne. Allez, personne. Ah non. J'aurais dû assurer le derrière. Moi. Ouais, bah oui. Pourtant, t'aimes bien assurer les derrières normalement. Bah oui, normalement, ouais, je suis tout le temps là, je suis en bonne position. Ah, derrière, insert. Ah, il est sur ton insert, il t'attend. Ah, oh, petit enregistrement coupé, la caméra n'avait plus de. Bah voilà, n'avait plus, donc voilà, c'est revenu. Bonjour. Tout à l'heure, on s'entraînait en plus et j'avais. J'avais un bon shoot. Ça, c'est pas vrai, depuis tard, tu dis que tu fais que tout louper. Quoi?
gros bâtard. C'est pas vrai? Parce que j'ai traité ta chaîne de poubelle que tu... Arrête! Non, je rigole, pardon. Non, mais tout à l'heure, j'avais un bon shoot, je faisais que des têtes. Des headshots. Ouais. Et là, tout d'un coup, c'est pareil. Ah, bizarrement. Oh merde, bâtard, enculé! Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, j'étais en train de les filer, les mecs, et il m'a tué. Oh bah alors. C'est qui t'a fait ça? Qui a fait ça? Montre-moi le avec ton doigt. Merde. Putain, mais je sais pas ce qu'il fait le type, mais il le fait. Hein. Derrière toi, y en a un encore. Attention. Où ça? Lui, il était derrière toi. Ouais, non, mais mec, tu racontes n'importe quoi juste parce que tu veux voler ma place et tout. J'étais mort, enculé. Oh! Pardon, je me suis excité pour rien. Mais alors, vraiment, absolument pour rien. Ouais, non, bah oui, ça on a l'habitude, je pense. Y'en a un qui est passé au mid à gauche de toi. À gauche? Ouais, dans le petit truc là. Voilà, ouais. Là où t'es. Ouais, non, il est pas. Tu l'as vu ou pas? Non. Un ennemi a dit. Oh là là, ça bug de ouf. Oh putain, il s'enjaille le type. Hein. Ouais, mais je sais pas qu'est-ce qu'il dit en plus. Attrapato! Je sais pas, il doit être moitié anglais. Non! Non, mais je le loupe! Ah bah oui, le loupe. Mais quel enculé que je suis! Ah bah ça, je te le fais pas dire, t'es vraiment un enculé de l'avoir loupé. Hein. Ah, je suis con! Ah bah allez, le dernier, no scope, trickshot, allez. Ok. Oh putain, j'espère qu'il a fait un no scope, Troyard Prime. Bon, 29-16, voilà. Oula, ferme ta gueule, Diabolique. Et, Diabolique, il est on fire. Ah, mais mec, il hurle partout, tu sais. Oh le putain! Et si je comprends bien espagnol, je crois qu'il a demandé à sa mère quand arrivent les chocs à pic. C'est pas ça? Ah, écoute, attends, j'écoute. Ouais, c'est putain. Ça. Ah ouais. Bah non, il a dit un gros mot. Hein. Ah peut-être il a dit connasse de maman, apporte-moi ça, non? Non, il a dit on le. On est en 2017 maintenant, donc ça me choquerait non, pas. Je peux pas le dire, c'est trop horrible. Ah, oh, genre. À ce point, ah non, c'est censuré sur ma chaîne. Ah. Putain, il en faut quand même. J'ai compris le mot verge. Voilà. Oui. Je pense que là. Là, c'est censuré. Hein. Interdit au moins 18 ans la vidéo. Alors, attends, il faut que je fasse une recherche. Alors, verge, photo. Bah, tu as déjà vu un magazine, enfin, Jean-Louis. Ah, mais c'est donc ça. Mais oui, le magazine, ce qu'il y avait, c'était des petites verges. D'accord, des petites verges toutes mignonnes. Et que le monsieur s'en servait comme cendrier. Ça existe en plus, j'ai vu ça. Alors attends, attends, je te ravite parce que ça a quitté. J'avais vu une photo comme ça, elle était immonde. S'il y a des enfants qui regardent, dites-leur de partir ou se boucher leurs oreilles deux secondes. Parce que je vous préviens, parce que c'est vraiment immonde. Je t'ai invité. Hein. Oui, j'arrive. Voilà, en fait, c'est bon, ils sont partis. Voilà, vous avez bouché leurs oreilles, il n'y a que les adultes qui écoutent. J'avais vu une photo, c'était un mec qui avait utilisé son anus comme cendrier. Ah. Et donc tu voyais l'anus bien ouvert et il y avait plein de cendres et de mégots dedans. C'était immonde. Ah putain, ça va. Et la capacité, c'est à peu près combien dans le trou de balle? Oh bah là, t'avais quand même une bonne soirée dedans. Hein. Une bonne soirée? Ah ouais. Ouais, une bonne soirée. Hein. Et genre, le mec est resté comme ça toute la soirée? Bah, je sais pas. Attends, tu sais, c'est comme sur WhatsApp, t'as des groupes avec des potes et des fois, ils s'amusent à envoyer des photos dégueulasses. Oui. Et bah, ça faisait partie de ces photos-là. Ah bah, c'est le genre de truc, c'est en plus, j'ai mis le téléchargement non automatique. Parce que pour éviter que ça télécharge des trucs pendant que je suis pas sur le wifi ou quoi. Ça, c'est horrible. Et là du coup je dis ah ça, j'ai cliqué, putain c'est le moment de surprise quand tu télécharges, t'as pas envie d'être en public, t'imagines t'es là en public, y a un mec qui regarde ton téléphone au moment où tu cliques dessus, il voit ça. Il doit se dire il est chelou ce mec. Par contre Hijack, ça fait un moment qu'on l'a pas faite. Carrier. Ouais, Carrier oublié aussi. Ah Carrier oublié Carrier. Et c'était justement sur cette map là qu'il y avait eu la fameuse histoire du japonais. Oui, c'est vrai. Et que tu l'avais même pété. Bah, en même temps, ça m'a fait paniquer. Et quand je panique, je pète. Je pleure. Quand je panique, je pète. Ça doit être sympa de vivre avec toi. Ah putain, t'imagines un entretien d'embauche? Bonjour. Oh, excusez-moi, j'étais fait. J'ai un peu de stress. Vous aurez pas un peu de papier? Oh la vache. Ça t'est déjà arrivé de te chier dessus? Pardon. Quand j'étais gamin, ouais, ça m'est arrivé, ouais, une fois. Ouais. En sortant de l'école, j'ai pas pu. Non, en fait, je me suis pas chié dessus, j'ai chié à côté. Alors je pense qu'on est tous d'accord, on a envie d'écouter cette histoire. Mais ça t'est déjà arrivé à toi aussi?
Non? Moi, ça m'est arrivé, je me souviens, putain, oui. Voilà. J'étais en école primaire. Bah oui, mais voilà, mais c'est ça, c'est tout ça en école Je primaire, je devais crois. être en CE1 ou CE2, tu vois. Bon, ouais, j'étais un gamin, quoi. Et j'avais un peu de gaz cette journée-là. Je pense parce que j'avais pété en fait. Et j'arrive chez. Je me souviens encore en plus, putain, c'est ouf quand même la mémoire, comment Ah elle ben oui, réagit. mais quand ça t'a marqué en même temps. Parce que je commence à raconter l'histoire et les souvenirs arrivent au même moment. C'est comme si j'avais ouvert le tiroir et il y avait tous les dossiers qui sortent. Et l'odeur, et l'odeur, tu l'as encore en mémoire? Attends, je ferme les yeux. Tu sens cette odeur de cul quand tu étais plus jeune? Donuts, viens là, pète un peu Ah pour me non! rappeler des souvenirs. Ah mon Donc, Dieu. et en fait, j'avais un short, c'est super large, tu vois, genre les mi, comme un pantacourt short, enfin bref, peu importe, Ouais, on va pas oui, les vas-y, couilles. vas-y. Et en fait, je vais aux chiottes et je me dis, putain, il est collé mon pantalon. Et en fait, bah, en baissant mon pantalon, je regarde qu'il y avait des petites plaques de merde qui étaient restées. C'est-à-dire que j'avais passé la matinée avec des plaques de merde dans mon short. Putain, heureusement que t'étais pas ado, que t'avais pas les poils au cul, hein. Là, il y avait pas six, trois mecs alignés. Si je mettais la triple headshot, mon pote, j'avais une nouvelle histoire à raconter Non, avant non, non, d'attaquer. non, 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 c'est bon. Mais moi, totalement, totalement, ça m'est pas arrivé. Mais à côté, ouais, parce que j'arrivais plus. Alors, je suis arrivé. Ah, merde, loupé. Ah ouais. J'ai pas pu retenir plus longtemps. Ah, je me suis senti con là. Et en plus, c'est que mon Ouais. chien qui me cassait les couilles, qui me sautait dessus. J'étais là, mais casse-toi, casse-toi. Il était tout blanc, moins deux, il aurait pu tomber dedans, tu sais. Ah, ça aurait été mythique. Mythique. Allez, respawnez là, respawnez là! Ah d'accord. Par contre, moi j'ai une co dégueulasse. Je crois que tout le monde d'ailleurs en fait. Moi ça va, hein. Sérieux? Ouais. Bah, toi, c'est que t'es habitué à avoir une co de merde. Peut-être. Non, non, sérieux, ça va. Ah bon, bah écoute, tant mieux pour toi alors. Bah Elle oui. est cool ta vie. Elle est Mais cool. ma vie est plutôt sympa. Ouais, non mais je. D'accord, je me suis fait détruire mon insertion tactique, je me suis fait buter. J'ai tout perdu dans la vie. J'ai La vie tout se perdu. résume à ça, hein, c'est tout, hein, y avait pas Mais d'autre chose. non, on est là, enfin. Julien. Oh le headshot! Oh le ta 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 la! Pardon. Normalement c'est headshot biatch, puis c'est parti en couille. Il est où le 8 là qui me tire? Ah il est Ah. là! Il est là! Oh Il y j'ai a vu ta mort. Nagui! Nagui oui! Ah et Nagui, je l'aime bien Nagui. Ouais? Ouais j'aime bien, je le trouve drôle. Mytho! Si ça passe, je joue bien moi. T'aimes bien Cyril Hanouna toi? Ouais. Non. Là je suis un peu Bah en mode. arrête, tu regardais toujours tout Ouais, genre de choses. avant je regardais vraiment, mais ça fait un moment que j'ai plus regardé. Qu'est-ce qui s'est passé alors? Je sais que Nagui va respawn là, je vais l'attendre comme un bâtard. Nagui, Mais 1, je ne sais pas. 2, 3. Nagui n'est pas là. Je vois J'ai plus un la télé petit. en fait. Non, moi non plus, hein. Je regarde Donc au Netflix. final. Ouais. Netflix ou YouTube? Ou Ouais, ouais, YouTube, je. ouais. Ouais, oui. Bah oui, ouais. C'est quand même. Attends, faut pas l'oublier celui-là. Bah oui. Moi je pense que le jour je vais migrer sur cette plateforme. Pardon, mais. Ah, tu vas faire tes vidéos là-dessus? Ouais. Vu qu'il y a des millions de vues, je me suis dit pourquoi pas toucher un autre public. Ouais, mais en vrai, c'est vrai, hein, c'est un truc de malade. Ah non, mais de vrai, hein. De toute façon, c'est les sites les plus visités au monde. Donc, au final, quand tu vois certains films de cul à 50 millions de vues, tu dis bon. Ah ouais, non, mais. Et puis ce qui est étonnant, c'est que. Et t'en as quand même, je veux dire, pas mal. C'est pas Oui. comme si t'en avais que 3, quoi. C'est Ah que t'as ouais, non, une mais. quantité quand même assez industrielle. Et ils marchent tous, t'as l'impression. Ah putain, il se cache l'enculé. Laisse. Ah dommage. Allez, j'ai fini de laisser, c'est fini. Putain, j'ai vu. En fait, j'ai tiré en direction du mec en regardant la minimap et pas le gameplay. Ça aurait marché, c'était bon. T'as pété? Non, 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 c'est ma bouche. Hein. Parce que je sais que t'as du mal à te contrôler, t'es pas Oh évident donc. ouais, j'étais stressé. Ah bah, il faut savoir qu'à chaque fois qu'on fait une vidéo avec Saxi, je vais vous raconter l'histoire parce que c'est véridique, hein, c'est vrai, c'est Oula, l'histoire j'ai vraie. peur, je sais même pas qu'est-ce que tu vas dire À là. chaque fois qu'on fait une vidéo à Saxi, je lui dis écoute, on va faire une vidéo, machin, prends 5 minutes pour aller péter dehors et comme ça on commence. Parce que tu sais, comme les fumeurs sont obligés d'aller fumer une clope avant de pas pouvoir fumer, bah lui il est obligé d'aller péter, c'est-à-dire qu'il est obligé de se vider un peu le ventre de gaz parce que sinon il a du mal à se retenir pendant une vidéo. Tu penses que le truc. Et. Ah, vas-y, continue, je t'arrêterai après. Non, c'est tout. Ah, c'est tout. Mais le truc le plus inquiétant, en fait, dans ce que tu as raconté, c'est les gens qui vont y croire. Alors, Ah tu vois tout de suite quand même le mec qui a pas envie quand même que ça se sache. Ah, Ouais, genre. les mecs, si vous y croyez, vous êtes vraiment que des bouffons. Ah, oh, tu as cru, t'es un bouffon, blabla. Non, mais c'est vrai, le mec, il a du mal à contrôler ses flatulences. La Paris Game Week, quand on était chez Scuf, et ben voilà, en fait je suis parti dehors, je sais pas, vous m'avez pas vu peut-être, mais je suis parti à un moment dehors, c'est vrai. Mais hé! Tu sais, il y a des gens, tu dis, tiens, tu vas faire ta pause clope. Ça existe, tu vas faire ta pause paix. Non, non, je vais péter un coup là. Je suis pas bien. Bon.
La partie, elle bouge sans bouger, hein. Et c'est exactement ce que je voulais te dire. Attends, j'ai passé une annonce. Les joueurs qui sont sur la carrière pourraient se présenter, s'il vous plaît. Wall 1, merci. Au respawn 1, s'il vous plaît. En plus, il y a un mec qui a le culot de mettre une fumigène. Mongol, quoi. Ah non, mais oh. Non, c'est vrai que la partie est à chier, hein. Ouais, ben comment c'est bien, ça allait en vrai. Ouais, ça allait, mais depuis que tu racontes les histoires de paix. Oh, ça va. Allez, 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 allez. Oh, putain, t'es mort. Et en vrai, regarde, c'est moi qui carry la game là. Ah, ils sont que 4 en face aussi. Ouais, c'est ce que je t'ai dit. Ouais, enfin, ouais, tu sais quoi, on se barre, allez. On se barre là. Ouais, bah ça va, ça va. Non, mais là, il faudrait qu'on tombe sur raid à un moment. Il raid pour le closer, quoi. Allez, si on finit sur raid, tu vois, franchement, la meilleure façon de terminer. Oui, c'est finir raid. Raid, tu fais une quad headshot. Voilà. D'accord, ok. Alors bon. Là, et, si tu mets une quad headshot, quelle est la. Je t'ai invité, hein. Quelle serait ta réaction? Je pense que je deviendrais vite hystérique, mais genre beaucoup plus que je suis d'habitude. Genre, t'aurais pas genre une réaction genre, oh, quad headshot, ça y est. Genre tout simple, non? Ou là, ouais, tu. Vu que là, on est deux, que c'est live, il y a tout ça autour, je pense que je pète une durite. Genre ouais. Vraiment, genre vraiment ça pourrait partir un peu trop loin. Genre est-ce que tu mangerais un frein? Des freins. Des... Oh. Ah. Ah voilà, au moins il y aura Nukton. Ouais voilà, non. Nukton, voilà. Bah ouais, franchement j'ai... Non, en vrai, c'est vraiment, fou, je pense que ça fait partie des deux moments les plus mémorables de ma période Call of Duty sur les lives, vidéos, etc. C'est vrai que c'est cette triple headshot et cette quad ouais, pour moi qui aussi, était en ta compagnie. Et surtout ce qui était vraiment marquant. Et ça, c'est vraiment un truc de malade. Sur la triple headshot, que t'avais fait un Saxy répond lundi avant, qu'il y avait un mec qui a dit quelle serait ta réaction si Skyrose met une triple headshot devant toi, et que le lendemain même, ouais, c'est même pas genre. Le lendemain même, je mets une triple headshot devant Saxy. C'est clair. C'est... Alors que la vidéo était sortie et tout, enfin, c'était. C'était un truc de malade quoi. Ah non, et il a fait vraiment la réaction qu'il a dit qu'il allait faire. Ah bah oui, mal oui. En plus, hein, je pense. Ouais, je m'étais dégommé, hein, je me rappelle. J'ai eu mal un moment hein, à mes fesses. Hein. Parce qu'il n'y avait pas de coussin en fait. Quand j'avais fait le truc avec des répondants lundi, j'avais mis un petit coussin, tu vois, vu que je savais que j'allais faire ça. Mais je savais pas que t'allais mettre la triple headshot quoi. Ouais, non, moi non plus. C'est hein, pas un truc qu'on prévient quoi, oui, non mais oui. Je savais pas non plus. Hein. Mais. Alors, y a un mec, il est à gauche, je vais voir à droite, y a personne. Oh bâtard. Les bons petits moments. Mais on va, alors, on va créer une nouvelle histoire cette année. Ouais, c'est on bon. Va créer une nouvelle histoire, ouais. On va ouvrir une nouvelle page. Exactement. Oh dommage. Attends, je vais prendre la mire, allez, pour essayer un peu. On va changer un peu, on va prendre la mire. Ah merde. Surtout sur Nukton, j'aime bien la petite mire, ça passe. La mire est plutôt pas mal, ouais. Bon. Oula, oula, oula. Le spawn va tourner. Ouais, le spawn va tourner, c'est sûr. S'il tourne pas, y a un problème. Ah, ils ont détruit mon insert. Oula. Oh merde, je l'ai. Ouh putain, alors Ouh putain. Ouh putain, il y a un petit temps d'adaptation à la mire là. Il y a un petit temps d'adaptation. Hein. Ça s'est pas fait tout de suite. Ça a pas bien marché, non? Voilà. Oula. Par contre, moi, ce que j'aimerais bien mettre, c'est une triple headshot à la mire. J'en ai jamais mise. Ouais. Bon, une tripnoscope aussi, hein. Eh, on a jamais mis Black Ops 2. Hein. Bah, j'en ai jamais mis de ma vie tout court. Hein. Ah, si, si, j'en ai mis sur MW2 au Barrette. Ah ouais. Ah ouais, je savais pas. Bah, c'était il y a long. Bah, c'était à l'époque où MW2 c'était le dernier jeu en date. Hein. Ah, oui, j'étais sur Terminal, je me souviens. Il y avait le petit escalier, tu sais, qui sort de l'avion sur la gauche. Ah ouais, ouais, ouais. Et c'était en guerre terrestre. Et là, je sors des escaliers, il y avait grave du monde devant moi. Bon, j'ai bourriné un peu, hein, je vais pas le. Mais hein. Il y a eu la triple. Mais quand tu regardais en slow motion, tu voyais bien que c'était une balle qui avait fait la triple en noscope. Ah, et j'avais bien. Fini par faire une quad feed multi-kill quand même. Bien joué, bien joué. Je te bon, pensais quand pas tu capable. Vois le clip, tu dis pas bien joué, hein. J'ai ouais. Bourriné quand même. Ouais. Bon, pour l'époque, ça devait être pas mal, on va voir. Pour l'époque, c'était pas mal, hein. J'étais passé dans les top 5 et tout. Hein. Oh, ah, les fameux top 5. Bah, pour l'époque, il y avait pas les mêmes standards et les mêmes exigences qu'aujourd'hui, disons-le comme ça. Ouais, ouais bon, mais aujourd'hui, c'est vache. On a tout vu aujourd'hui, quoi. Je vais enlever la mire parce que là j'ai un peu de mal. Tu sais que je crois que j'ai 7 tripnoscopes sur Code 4. À l'ancienne quoi. Et bah c'est pas sur MWR que ça risque de se passer. Hein. Non, malheureusement c'est fini. Tu vas voir quand ils vont mettre. Triste, hein. Ouais, ils vont mettre le DLC bâtiment de télévision et tout et on pourra pas même pas mettre de trip sur bâtiment de télé quoi. Et ça va faire mal aux joueurs.
Ouais, alors moi je suis quasiment sûr qu'il va y avoir un DLC de façon qui va sortir sur Je pense MWR. aussi, ouais. Ils ont dit que, en fait, il y a des gens qui ont posé la question et ils ont demandé qu'est-ce qu'ils en pensaient et ils ont dit que, bah, ils y pensaient en fait. Ils ont dit ouais, on va attendre que le jeu sorte et on va voir comment que ça se passe. Ouais, comment il est reçu, comment. Parce que bon, si Oui, personne voilà. joue, si personne aime, c'est sûr que ça sert à rien, quoi. Mais c'est surtout que moi je trouve qu'il y a quand même déjà beaucoup de monde sur le jeu et que le jeu est même pas vendu séparément. Ouais, ça c'est clair que. Et il y en a plusieurs qui l'achèteraient en plus, hein. Oh! Eh, le jour où ils vont vendre le jeu séparément, il va y avoir du monde dessus, hein. Ah oui, je pète Bon, par contre, ceci. je fais que de la merde, là, littéralement, je. Ah, elle est compliquée la gamme là. Elle est. Ouais, elle est pas simple, hein. Là, j'ai pris ma classe Mia XP. Ah, Allez! là, j'ai bien joué ta carrière. La connexion est bonne pour toi, je pense. Ça va, il y a un petit décalage, mais ça va. Ouais, bon, J'arrive à faire des trucs donc, c'est le principal. ouais. Oula, deuxième kill. Oh, Eh non, attention, le eh non. suspense, est-ce qu'il va le tuer? Oui, il l'a tué! Merci! Oula, c'est un drôle de merci. Ouais, bon, écoute. Ça sera pas coupé au montage en plus, Non, donc ça tombe bien. Non, c'est mais. vrai que. Qu'est-ce que je disais? Ouais, faut qu'ils vendent putain d'MWR séparément, ces Mais oui, bâtards! bah oui, ça fera revivre encore plus le Je jeu. pense très honnêtement qu'ils vont le faire. Bah, il y a intérêt pour eux. Franchement, Je je pense qu'il y a pense un qu'ils vont le moment, ils faire. seront un peu obligés, quoi. Bah, c'est surtout que là, c'était vraiment pour booster les ventes d'Infinite Warfare. Bah Hein, oui. parce que ça, c'est pareil, hein, on va pas non plus raconter de mensonges. Hein, Infinite Warfare n'est pas vraiment le Call of Duty de cœur de la majorité de la communauté. Mais il y en a. Ça, Mais il y en a. il y en a, non, mais il y en a qui aiment bien. Je veux dire, moi, je critique pas. Moi, je suis pas vraiment fan. Honnêtement, je suis pas vraiment fan. Je joue un peu dessus de temps en temps, etc. Mais je m'attarde pas vraiment sur le sujet. Je préfère jouer sur MWR. Mais bon, il y a des gens qui aiment bien. Et bon, voilà. Je dis après, il en faut pour tous les goûts. Oui, Mais c'est c'est comme il y en vrai a que qui n'aiment pour la pas majorité de la MWR. communauté Call of Duty, on va pas dire que ça soit quand même le préféré, quoi. Non, du tout. Mais il y en a quand même beaucoup aussi qui n'aiment pas MWR remasterisé, quoi, au final. Et Genre, également, qu'est-ce qu'il moi est alors devenu et tout, quoi. j'adore. Ouais, moi aussi, hein. Mis à part le problème des collates, le jeu il est génial. Ah ouais, il est nickel, hein, sinon. Franchement, rien à dire. Le marché noir qu'ils ont fait, il est Ouais, le super. marché noir, je comprends pas pourquoi on en a. Mais d'ailleurs, c'est le seul marché noir qui est bien. Hein. En fait, tu sais, à l'idée, quand tu dis ouais, ils ont fait le marché noir sur MWR, tu dis oh les Ah, bâtards, moi parce que ça m'avait fait rager, hein. t'as un avis tellement négatif sur le marché noir que tu ne peux pas dire ouais, c'est bien qu'ils mettent le marché noir, mais ils l'ont fait tellement bien que tu dis putain, les mecs, ils ont. Alors que c'est un studio qui a jamais fait un Call of Duty par eux-mêmes, ils ont réussi quand même à rentrer dans le game et faire un truc de ouf, parce que rien que l'observation des armes, c'est génial! Ouais, ça c'est cool, ouais. C'est génial! Après, au début, le truc qui moi il m'a chagriné, je me rappelle, c'était la feed. Tu te rappelles la tête qu'on a tirée quand on a vu le jeu pour la première fois? Ah oui, c'est vrai que la feed. Mais par contre, tu vois, ce qui est Oh. bien là-dessus, c'est qu'ils ont écouté la communauté, ils ont essayé Exactement. de faire mieux, etc. C'est Du coup, ça passe. vachement positif. Non! Il m'a buté, Polonais! Ah, dommage. Je pense que ça va être un peu mieux celle-là, non? J'espère bien. On va voir. Alors, par contre, tu vois déjà le petit sniper B23R. J'ai envie de te dire, fils de pute, hein, quand même. Hein. Insulte-le, vas-y, vas-y. Allez, moi j'ai sorti le XPR. Ah ouais, Moi carrément. j'ai ma petite classe là, Ballista Mir XPR. Baliste. Ah ouais, j'ai compris. Ok, oui, ok. Qu'est-ce que t'as compris? XPR, Mira. J'étais entré en mode quoi, quoi, qui, quoi. J'entends des IUM qui tapent partout. J'ai pas entendu. Allez, J'espère que c'est des IUM alliés. Hein. je vais prendre la même classe que toi. Merde. Sauf que c'est pas la Mira, mais bon. Ouais, j'entends des IUM, ouais. Mais je pense que c'est allié. Hein. Merde, il y avait moyen. Ah là là, on est Non. concentré là. Les IUM, c'est ennemi. C'est le mec au bouclier qui jette les IUM. Étonnant. Tu sais que dans la famille, fils de pute, ça doit être le père, lui, hein. Ouais, ça doit être le papa, je pense aussi. Bah, le bouclier, ouais, ça, c'est silhouette. Ouais, du daron, c'est ça. Effectivement. Ah non mais. Bien vu, bien vu. Ah, je suis sûr qu'il a la sulfate en plus du bouclier, non? Oh, c'est possible, hein. Oui, No il a la normalement, le sulfate. père. Ouais, voilà, ben voilà. Nickel. Normalement, c'est sulfate, bouclier, Oui, le papa, c'est ça. IUM. Et la maman, c'est Avec à. un peu de persévérance, le mec, il arrive quand même à sortir un C4 de sa poche. Et la maman, je crois Et que là, c'est normalement, t'as le combo. chargeur. Tu sais, c'est les. Qu'on s'appelle pas les chargeurs, là, les bâtonnets électriques avec Betty. Et là, tu Ouais, vois mais que c'est là, une il a femelle. IUM, donc il doit être IUM C4. Ah, c'est un trans. Tu le mec. D'accord, ok. Il doit avoir des tendances homosexuelles. Oh, mais laisse-moi. Arrête, hein. J'attends l'insert ou pas? Oui! Voilà. Bâtard. Putain, mais toi, t'es vraiment.
Ah, et en plus, en emblème, il a Luck. Quel Luck je sais pas. Allez, dans le spawn, 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 ça a tourné. Putain. Oh là là, j'ai tout loupé. Comment j'ai tout loupé comme ça? Je suis mauvais. Oh putain, ils sont tous là, ils sont tous là. Ah mais putain, il y a toujours un mec derrière moi. Ah d'accord. C'est moi ou ça lag mort? Non, là ça lag pas moi. Non? Ah bah là moi ça a lagué, mais alors cochon hein. Putain, tu t'es amusé. Franchement, la partie, il y aurait pas le mec au bouclier, ça aurait pu être mieux, je pense. Ouais. Bon, c'est pas... alors après hein. On sait à quoi s'attendre. On est sur Nukton après tout. Ouais. Allez, s'il met un petit raid là. Ben un petit raid. Tu te rends compte quand même qu'il y a des gens encore aujourd'hui, au moment où on tourne la vidéo, on est jeudi en pleine journée. T'as un mec 3 ans après la sortie du jeu, jeudi en pleine journée, il se dit tiens, je vais aller casser les couilles. 3 ans de... bah, mais t'as fumé quoi? Raid. Mon beau bateau. Black Ops 2 est sorti en 2012. D'accord, allô. Bâtard. Bah 5 ans maintenant. Non. Bah si, on est en 2017. Bah non. Bah non. Bah si. Bah non, Black Ops 3 est sorti 3 ans après Black Ops 2, là on a eu Infinite Warfare, ça fait 4 ans. Ah bah t'es un niveau 2, il est là mais... Ah et qui va finir avec nous. Hein. Bah ouais. Écoute au moins le lobby. Tu les attires hein, espèce d'enfoiré de merde. Tu parles à non, qui. Honnêtement, je vais dire un truc. Dis un truc. Quand les mecs ils sont niveau 2 comme ça, je préfère les avoir avec moi que contre moi. Parce qu'un mec qui ne connaît pas le jeu, qui débute sur le jeu, c'est ignoble aussi. Hein. C'est vrai. Bah tu sais, enfin, ça dépend comment il joue aussi mais... Bah non parce que déjà le mec tu te dis qu'il y a une chance qu'il connaisse pas la map. Ouais. Donc il va aller dans des endroits où personne va. Tu vois genre le mec il va être devant la falaise, il regarde on peut passer par là, je ne sais pas, il y a une échelle cachée. Je suis à la piscine. Venez. Le mieux c'est d'avoir un mec niveau 15. Tu vois genre le mec qui a un peu d'expérience sur les maps, il commence déjà à avoir pris le jeu en main. Mais il a pas quand même non plus on va dire la dextérité nécessaire. Ouais. Mais niveau 2, c'est souvent horrible. Sauf sur Nukton, à la limite, bon, tu peux les pocher. C'est vrai que tu as raison. Je sais, merci. J'adore le pré-shot. Hein. Ah, le pré-shot en 2017, c'est plus ce que c'était. Hein. D'accord, ouais, je me suis fait niquer par la... Ouais. Non, le pré-shot, mais le pré-shot, il y a de moins en moins de monde, de toute façon. Oui, bah, force, hein. Ah ouais, bah, écoute. Bon, allez. Oh, mon bateau. Faut que j'arrête avec cette musique. Oh, putain, la partie, oh. Là. Oh là là. Oh là. Oh là là. Est-ce que c'était pas la game de trop? Oh là là. Oh là là, ce que j'ai. Alors là par contre. Voilà. Ils ont pas l'air de vouloir rigoler hein. Non, les mecs ils sont sérieux en face hein. Oh, y'a du monde là. Laisse. Oh. Oh oh oh. Y'a tout le monde en bas. Mais mec. J'arrive à rien. Mon bateau, deux fois, mon bateau. Deux fois hitmarker sur le même gars. Deux fois hitmarker sur le même gars. C'est scandaleux. Ah bah c'est scandaleux. Envoie un message à David Van Der Hart. On l'a déjà vu. Je le connais maintenant. C'est le bro. Oh mon bateau. J'essaye. Hein. Le mec il tryhard sur la musique. Ouais non, abuse pas gros. Nique pas ta vidéo quand même. Nique pas ton audience quand même. Ça fait longtemps que t'as mis du temps à arriver là et ça ferait chier quoi. Que tout s'arrête. Mais c'est vrai que c'est la partie, les mecs en face ils sont vénères. Alors j'essaye ou pas? Vas-y. Oh oh oh. Voilà. Parce que le mec il m'attendait à l'insertion tactique. T'as bien fait. Et je sais qu'on peut l'annuler mais c'est plus fort que moi. Ah je dis pareil. D'accord, c'est bien d'humilier quelqu'un qui t'attend à l'insert. Ah, ça bah le punit oui, un peu. Mais je me souviens, il avait fait un turn, mon pote, il était tellement magnifique, c'était sur Red justement. Je mets mon insert, le mec il m'attendait derrière, j'ai eu le temps de faire le 180 degrés, no scope headshot. Je peux dire que là le mec... Ah il doit sentir mal hein. Ah il doit sentir tout petit hein. Ah il doit sentir tout petit tout seul hein. Il dira bon mais la prochaine fois j'attendrai pas. Alors que c'est déjà des bases quand t'es né, tu le sais quand t'es né. Il faut pas attendre un insert. Tu sais qu'un jour tu vas jouer à Call of Duty et faut pas. Pardon. Derrière, à ta droite. À nos inserts. C'est bon. Ouais, c'est bon. Ok. La partie est un peu bâtarde. Ouais. Dans le sens où les mecs ils passent pas vraiment là où il faudrait passer quoi. Ouais, c'est exactement ça. Là, je sais pas trop où aller. Triple. Oh, quel honneur! Ok, mec, j'ai même pas eu un hit, hein, tout va bien.
La tribu parfaitement alignée. Merde. Bon, je ramasse les armes un petit peu par terre, je m'amuse. J'aime bien ramasser des armes et enchaîner les gens en ramassant les armes comme ça. Je suis un peu pareil. Alors, mais c'est un certain style, si tu sais bien le faire, ça fait le style. Franchement, si t'arrives à feed comme ça, genre tu enchaînes deux mecs à la mitraillette, tu ramasses une mitraillette par terre, tu enchaînes un ou deux mecs, tu sors le snipe, tu finis ta feed, ça fait joli. Ah oui. Tu vois, regarde sur la minimap, les mecs ils passent toujours dans les endroits où il faut pas. Ouais, là j'ai l'impression qu'ils vont vers la piscine quoi. Ouais, voilà. Ouais, c'est ça. On était quatre alignés, putain. Et là, c'est nous qui nous prenons la quad dans le prochain. Alors, il y a un sniper devant moi. Il m'a acheté une IUM. Hein. Oh mon beau bateau! Oh, j'ai loupé la colotte. Oh putain, mec. Ah, mec oh, il y a du monde, Allez, allez, go. Donc, ça va arriver là, Je les attends, je les attends. Viens là. Oh ah, dommage. Ah, je crois que t'avais fait une colotte headshot. Merde. Pourquoi ils m'ont coupé dans mon élan, mec. Ah, y'a un problème, mec, au bouclier. Non, mais ouais, Le larscope, mec, le larscope. Putain, t'es dégueulasse comme type. Non, mais ça bug, j'ai fait un noscope. Ouais, ah, d'accord, c'est comme moi avec le trickshot tout à l'heure, non bon, exactement, je pense qu'on a eu le même bug. Je comprends, en fait, d'ailleurs, je te croyais pas, mais c'est bon, je te crois. Ouais, tout d'un coup, ça t'arrange. Bon, attends, je vais quitter parce que là, l'accueil et la connexion ne sont pas terribles. Bon bah voilà, Saxy est revenu de sa petite pause pipi, nous voici de retour. Ça fait du bien, voilà, petite pause. Ok. Très bien, bon j'ai pas eu le temps de me laver même par contre. Ouais c'est pas grave, c'est pas grave. Tu t'es pissé sur les mains? Merci. Non sur le pantalon, je crois que ça a une petite goutte. Enfin la petite goutte. Ouais, ah. Mais bon, si c'est que sur le pantalon, ça va, ça va. Oui. Bon, nous sommes sur stand-off, c'est vrai qu'on a voulu tomber sur Ed, mais malheureusement, on va dire que ça nous a pas vraiment souri. Mais pas du tout. Mais bon, écoute, mais alors, c'est pas grave, stand-off c'est bien pas aussi. Ouais, non, c'est mieux que rien. Au final, c'est mieux que Aftermath, hein, c'est mieux que je ne sais quelle map. Allez, bim. Oh, t'as voulu me le voler ou je rêve? Non, j'ai tiré à la fenêtre, moi, j'ai buté un mec à la fenêtre. D'accord, ok. Ça me semble plutôt valable. Ah moi, la connexion est bonne, je sais pas toi. Ouais, pareil. C'est bien là. J'apprécie. T'apprécies? J'apprécie énormément, mec. Ah merde. Alors, je l'ai suivi du regard. Est-ce que ça va? Tu fais quoi? Pardon. Qui c'est que t'as suivi? Petit jump, là. Allez, respawn là. Ah, ils ont détruit mon insert. J'attendais aussi. Non. À gauche, à ta gauche. Merde. Mais ça, j'ai ramassé le DSR par terre. Est-ce que t'es un peu déçu, là? Non, vole pas ma place, Pssst. Ah, y'en a un. Merde! Ah non, devant, derrière toi! Ah putain, je suis perdu! Ah, j'ai fait de la merde! Je peux pas m'occuper de tout le monde, Julien! Bah oui, non mais écoute. S'il te plaît, hein, oui. Tu vas te réveiller. Je me réveille. Tu veux que je te mette trois petites tartes pour te réveiller? T'arrives comme type, non? Je vais ouvrir une chaîne YouTube, du coup, je pense. Ouais, bah écoute, moi je vais mettre une triple chat. Ça chacun a son projet, hein, écoute. Merde. Ah, mais putain, mec, à la station. Il y avait du monde. Putain, ils sont partout, les types. Hein. Je spawn à la station maintenant, donc. Enfin, pas à la station, en face. Moi, je suis au mid, mais j'ai peur qu'on m'attende sur l'insert, voilà, effectivement, bon. Mec, il m'a buté au B23R, forcément. Putain, mais c'est une maladie, les mecs, au B23R, quand même. Ouais, non, mais oui. Il n'y a pas de cachet, en plus, pour ça. C'est ça, le pire, je crois. C'est scandaleux. Non, oui, faites scandaleux. Des dons pour que ça avance la recherche. Moi, la seule arme secondaire que je tolère, à la limite, sur Call of, c'est le Desert Eagle sur Code 4, quoi. Ouais, c'est clair, ouais, c'est bon enfant. Putain, mais il m'attend à l'insert, aussi. Oh là là, vraiment, là, plus on avance, plus on rentre dans un trou vraiment très sombre, hein. Oui. Ah ben oui. On continue par là. C'est toujours tout droit, chef. S'il y a de la lumière, avance. Ah, attends, y'en a pas un derrière. Y'en a un qui campe derrière, et c'est vrai qu'ils sont un peu éparpillés. C'est pas toujours terrible. On s'adapte, moi perso je m'adapte à eux. Tu t'adaptes, ok. Le mec il a mis son insertion tactique dans le bâtiment, en haut. Ah, super. Ouais, non, mais Sens les ambitions du mec, quoi. Elles sont pas ouf, hein. Ah, oui, c'est vrai que là. Ambition. Son projet perso en 3ème, il devait pas être terrible, lui. Ah. Allez, venez. Ah non, mais. Il y avait un mec derrière toi, je t'ai sauvé la vie, hein. Ah ouais? Je serais pas toujours là, Nicolas.
Oh là là, le oui, shoot je de... sais, je sais, je sais. Oh, le shoot de merde. Ah, le shoot de merde. Attention, le trickshot. Poup, là. Mais t'es mort. Je crois que oui. Tu n'as pas réussi. Oui, je crois que j'ai pas réussi. Non. Je veux même pas savoir ce que t'as fait. Ça va, mais ouais. Sérieux, je t'ai... Ah là là. Je fais de la merde, je fais de la merde. Ah va chier. Tu sens qu'il y a un peu moyen sans avoir moyen en fait. C'est exactement ça. C'est... Il pourrait, ça pourrait être, mais ça n'est pas. Ah, ma tête. Il y en a encore où, un. Là. Mais non, mais en fait le mec... Oh là là. Il campe dans le bâtiment et il arscope, mais tu sais genre il est pas... Pas dans le bâtiment, tu sais, genre pas à la fenêtre, le mec il est genre au milieu de la pièce et il arscope un peu de loin. Genre c'est vraiment les, oh. les... Et je vois son insertion tactique. Hein. Mais... Attends. Hop. Alors attends. Ah, insertion tactique détruit. Ok, merci. Ah, il y a plein de monde là, vas-y, 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 tank. Ah bah je crois qu'ils sont morts. C'est la killcam, c'est la killcam. 3, 6 noscopes de fin, s'il vous plaît. Wouh. Ah, j'ai fait... c'était dur cette partie, hein. C'était elle dur, elle, c'était elle était comme pesante, épuisante. Non ouais, ouais, épuisante. Il y avait ouais. comme une salade boss faire dans cette partie. C'est clair. Eh, les mecs, ils prennent des risques. Ah, c'est des machines à risque, les types. Hein. Oula. Oh la vache. Oh. Oh bah, il faut tout pour faire un monde. Ah oui, non, mais oui, non, mais je dis pas, je critique pas, mais bon, j'analyse. Ah, les enculés. Oui, c'est le bon mot. Je critique pas, j'analyse. Oui, non, mais oui, je vois ça. Analyse, analyse. Bon. Écoute, on va voir ce que ça donne comme map random. Ouais, vas-y, vas-y. On va prendre, j'ai mute tout le monde. Bon, sinon, comment ça va, la femme, la famille, les chiens, les enfants, tout ça? On parle pas de chien, mon chien est mort. Non, mais il y a deux ans. Le mec. Mais la tristesse continue. Je peux avoir un ouais. jour de congé? Ah non, mon dieu. Non, moi, tout le monde va très bien. Ouais, j'espère, c'est... merci, c'est bien, ça fait plaisir. Oui. Je sais pas pourquoi je l'ai dit merci, mais. Oui, non, mais oui, je sais pas, écoute, oui, pourquoi pas. Pourquoi pas, oula. Non, mais pourquoi pas. Allez, mets-moi une bonne map là. Enculé. On va vite être fixé là. Suspense-me. Suspense-me. Oh mon beau bateau. Non. Non, c'est oh mon ah. bateau. Oh, oh, express. Ouais, vas-y, on va expressement quitter. Ouais. Bon, c'est triste. Ouné. Écoute, c'est ça vrai qu'on a connu. Map, hein. Oh d'accord, je vois les noms, j'aime pas. On a connu des meilleurs jours raid. Bah ça arrive. Hein. On aura failli Jacken et Carrie, hein, voilà. Et Nukton. Et du Nukton. Bon. Bon, je pense qu'on va se terminer sur Nukton. Allez. On se termine sur Nukton. Voilà, dernière petite partie. En plus, Sexy a fait son pipi. Il est tranquille, il est soulagé. On va se terminer sur Nukton et ça sera très bien. On a voulu faire Raid parce que Raid, c'est vrai que sur les lives Black Ops 2, est quand même une map mythique et qu'on doit faire. Malheureusement, la seule partie qu'on a fait sur Raid, c'était un accueil qui était, comme qui dirait, pas terrible. Un peu comme l'odeur de son chien quand il pète. Ouais, bon, ça va, tu peux sortir un peu là, mais le mec, bon, je comprends, ça t'a choqué, mais voilà. Mais oui, ça je pense choqué. Que des odeurs de merde dans ta vie, t'en as senti quand même plus que, qu'une. Oui, hein, plus que n'importe qui, je pense. Hein. Voilà, donc bon, tu vas pas non plus rester perché sur une odeur de là, j'avoue, en plus, c'est... Tu commences à être fatiguant, alors, Jérémy. Hein. C'est le mec qui se plaint le plus de ça, alors qu'au final, c'est son boulot. Enfin, c'était mon boulot. D'accord. Ah là là. J'ai senti que mon shoot n'était pas vraiment très OP. Pas du tout même d'ailleurs. Ah l'enculé, il s'est pris un putain d'hit marker. Attends, je recharge, je vais dans le spawn. Vas-y, mais recharge mec hein. Je t'en prie. À droite, il y a deux mecs. Vas-y, go 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 go. Go. Ah non, c'est pas toi non. C'est pas toi qui l'as eu. Putain, je l'ai loupé alors que j'ai tiré dessus. Mais pourquoi je parle comme ça? Bah oh non. T'es en train de j'ai enchaîné super bien mon pote mais... Ouais, je voyais. J'aime bien l'accueil oh. là. Oh mon bateau oh. Oh ta gueule. Et le mec il veut mettre son clip hein. Ah bah attends, bah bien sûr que oui. Ah IEM, ok super. Super l'ambiance, comment niquer l'ambiance quoi. T'as un bon accueil. Comment le niquer IEM.
Alors j'ai débloqué un gardien. Non, en fait j'étais en feed. Alors j'étais broc, je pense, parce que j'ai pas eu la médaille quad feed. Mais de là, en fait, il y a les mecs, je continue à les enchaîner. Je tire à travers lui. Oh d'accord. Oh le malaise. J'ai tiré sur un mec, je l'ai pas eu. Il y a un mec derrière qui s'est fait tuer. Lol. Ouais. Ça arrive, c'est drôle. Ah, surtout sur Nukton. Et en fait, j'ai tiré sur le mec. Il y a rien qui s'est passé. Oh bichon. Ah, ça t'a fait de la peine? Ouais, comme Jean-Marie. Allez hop. Oh. C'était la musique de Zazie. Pour la petite histoire. Musique de Zazie. Tu te souviens de Zazie? Oui. C'est ah oui, mais tu te sors à chaque fois des vieux trucs. Tu sais, on est dans un... Enfin, non, mais... Hein. Putain, le mec avec son IUM, il est à fond, hein, bâtard. Putain, derrière la voiture, comme toi, en 20. Voilà, c'est bon. Tiens, j'ai mis le petit gardien qui s'est fait péter au bout de 2 secondes. Ça, c'est vraiment... L'IUM, c'est vraiment une horreur, parce que tu te casses les couilles un petit peu à on va dire, choper un killstreak. Et le mec, en une petite grenade, hop, il t'a tout niqué. Ah, c'est clair, il a juste la... même pas savoir besoin de viser quoi, enfin, genre ça se fait comme ça, tu sais, genre tu la jettes, c'est bon. Ah mais en plus Nukton, tu jettes juste la l'IUM au milieu de la map et ça nique tout ce qu'il y a sur la map. Hein. L'IUM sur BO2, elle a une portée de ouf. Hein. Une petite portée d'enculé. Oh là putain, ils sont... Ah là, le mec il joue en fait fumigène thermique sur la sulfate. Hein. Tu les connais, hein, ces gros bâtards. Ah oui. Ah. Alors, je vais prendre l'XPR moi, je peux plus. Même si je sais pas jouer XPR, mais... Tu sais que l'XPR, c'est... J'ai jamais mis de triple XPR. C'est vrai? Non. J'en ai une. Ah, oh, putain, j'y arrive pas. À gauche, mec, il y en a, et au milieu. Surtout à gauche et milieu. Ok. Oh, IUM, allez. Je vois rien. Allez. Qu'est-ce qui se passe? Oh merde. Bah écoute... Moi je vois rien, il y a une IEM. Oui, bon ça va, t'as fini de te plaindre un peu. Mais... Oh là là, putain, je viens de mettre ma tourelle, hein. Le mec il l'a tué au bout de 2 secondes. Hein. Elle a même pas eu le temps de tirer une balle. Ah merde. Allez, faut on gagne la game au moins, s'il vous plaît. Ouais, bon, petit noscope. Gagner, c'est sûr. Ah, qui sait? Non, qui sait? Attends, tu ne sais pas? On sait jamais. Le mec il met la 601 comme ça, hop, allez. Un autre après renchaîne sur une autre 601, là, tu sais pas, hein. Non, c'est vrai qu'on sait pas. Ça, c'est... Regarde, putain, on fait aucun point là. Oh là là, mais nous. Mais gros. Ils sont énervés un peu là. Non, ils vont pas la gagner, tu rigoles. Ouais, non, mais ils vont pas la gagner, je sais, mais. Ils sont énervés quoi. Wouh, on a gagné le suspense. Merci Kat. Merci Kat Daddy. Non, et franchement, sur cette gamme là, il y avait vraiment moyen. L'IUM a vraiment pété les couilles. Parce que oui. Le problème, c'est qu'en débloquant la tourelle ou le gardien, tu permets de neutraliser les spawns. Et derrière, tu peux vraiment faire mieux. Ça a vraiment pété les couilles. Et j'ai enchaîné, mais malheureusement, il n'y a pas eu de clip. C'est con. Non, c'est pas grave, ça arrive, hein, regarde. Il y a bien des jours où on va mettre 1 milliard de clips et d'autres. C'est vrai qu'il y a des trucs comme ça. Bon, bah voilà, on va s'arrêter là-dessus. Je pense que c'était quand même une bonne petite session sur Black Ops 2. Plutôt sympathique. Je sais pas ce que t'en penses, Saxi. Oui, ça fait du bien. Et puis, comme on disait au début, ça fait plaisir ouais, de refaire un peu des lives comme ça. C'est vrai que ça c'était sympa. Ouais, ça faisait longtemps, c'est sympa. Et c'est vrai et puis, que voilà, c'était à faire. Ça manque un peu. Ça fait longtemps. Aujourd'hui, je fais des vidéos plus courtes parce que tout le monde n'a pas forcément le temps de regarder des vidéos longues. Et bah, je sais également que vous êtes abonné à plusieurs chaînes, donc vous regardez plusieurs vidéos, etc. Donc dès que vous voyez une vidéo qui fait plus d'une heure, c'est comme bon, ça donne pas trop envie. Vous n'avez pas forcément le temps de le faire. Mais je sais qu'aussi, c'est demandé pas mal de fois depuis un petit moment. Ouais, une vidéo longue où vous avez vraiment envie de vous poser devant la vidéo, être là en train de regarder tranquillement ou peut-être juste l'écouter en train de jouer. Et donc voilà, un petit live long sur Black Ops 2. Comme ça fait longtemps que j'en ai pas fait, comme je sais que vous êtes quand même nombreux à vouloir, je sais que c'est pas la majorité, mais ça fera plaisir à certains et c'est ça qui est l'important. En compagnie de Saxi, comme à l'ancienne, malheureusement en termes de clip, on n'a pas eu vraiment de chance sur cet épisode là. Mais qui sait, peut-être qu'on oui, se refera. Je nous fais entièrement confiance. Hein. Je me dis avec tout ce qui s'est passé. Oui, on le sait bien. Black Ops 2, il y a des jours avec, il y a des jours sans. C'est pas la première fois qu'on y joue. On sait qu'il y a des fois, on va pouvoir y jouer, rien ne va se passer. Et des fois, on va refaire un live comme ça d'une heure et on va mettre 15 clips. C'est possible. Non, mais c'est clair. Ça peut se faire.
Ça s'est déjà vu, donc malheureusement on n'a pas eu de chance sur celui-ci. Mais en tout cas, si vous voulez d'autres épisodes longs comme ça sur Black Ops 2, n'hésitez pas à le faire savoir. Et surtout, un petit pouce bleu, un like, c'est plaisir, c'est la récompense. Et si je vois que vraiment il y a eu du succès, on va dire, sur cette vidéo-là, que ça vous fait plaisir, que c'est quelque chose qui vous plaît, qui vous intéresse, avec plaisir, on en fera une. Petit mot de la fin ? Petit mot de la fin, Non, j'ai pas plus. Je pense à un cendrier, mais j'ai pas trop envie de reparler de ça. On en a assez parlé pendant le live. Donc voilà, c'est écoute. J'aime bien ces petits lives, c'est le moment où on raconte des histoires, des conneries, des machins, des trucs. C'est un petit moment détente, tranquillou. Donc j'espère que vous avez passé un bon moment. C'est vous bon enfant. But, bien évidemment. Donnez votre avis en dessous de la vidéo par commentaire. Et comme j'ai dit, si vous avez kiffé, que vous voulez d'autres vidéos comme ça, un petit pouce bleu, un like, c'est un plaisir, c'est la récompense. Merci à toi, Saxi, d'avoir passé un petit moment. Et merci à toi, c'était fort sympathique. Et à la prochaine. Et à la prochaine, voilà. Excellente journée à tous, que du bonheur, que des bonnes choses. Et je vous dis à la fois prochaine. Allez, ciao, bye. Au revoir. Au revoir.